le président de la République a posé un acte de portée historique qui honore non seulement la femme tchadienne, mais lui confère désormais toute sa place dans l'administration publique. La femme tchadienne a joué un rôle important dans la vie sociopolitique et économique du pays. Ce rôle vraiment n'a pas été ressenti au niveau national à cause du poids des pesanteurs socioculturels et politiques. Mais il y a quelques femmes leaders qui ont pu se faire connaître à travers leurs activités. Grâce à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, qui a garanti à la femme tchadienne la jouissance de ses droits et de son devoir. L'année 2017-2018 est marquée par la signature de l'ordonnance instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives, l'une des principales résolutions adoptées au Forum national inclusif de mars dernier. Ainsi, le renforcement de la place de la femme dans la vie politique est l'une des priorités du chef de l'État. Cette politique porteuse d'espoir sortira les femmes de leur sous-développement. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, préconise le passage progressif du principe actuel de quota à la parité intégrale. Arrêtons de parler de pourcentage 35, 30, 40, 45. Et passons progressivement, je dis bien passons progressivement du principe actuel à une parité intégrale. La mise en œuvre de la parité intégrale s'impose au regard de la prégnance et du rôle que joue la femme tchadienne dans le développement du pays. Cette parité est simplement une exigence de justice et d'équité. Si nous devons donner à César ce qui lui appartient, nous devons de même rendre à la femme ce qui lui revient de droit. Les femmes se sont battues pour cela. C'est un quota qui devrait évoluer jusqu'à la parité. Cette nouvelle est qualifiée d'historique par les femmes au vu du chemin parcouru. Le président de la République a toujours considéré la femme comme un agent au développement et une force au changement culturel, économique, politique et social. La présidente du CONAF salue l'acte qu'a posé le père de la nation. Le chemin est ainsi balisé pour que notre société, notre nation tchadienne, qui est composée à part égale des femmes et d'hommes, qui sont tous et toutes citoyens égaux, en droit et en devoir, comme le veut notre constitution de la 4e République, puisse évoluer vers une véritable émergence. La fondatrice du Grand Cœur, la première dame Inda Déby Itno, relève pour sa part que cette ordonnance place les femmes devant leurs responsabilités. Nous avons l'obligation absolue de convaincre la société par notre capacité intrinsèque à assumer pleinement et efficacement toutes les responsabilités qui nous sont confiées. Ainsi, les femmes doivent se battre pour arracher cette parité dans son intégralité. La parité doit être méritée et non considérée comme une simple faveur faite à la femme.